Salut à tous. Coucou. Hello, hello, comme disent les Anglais. C'est vrai qu'ils disent ça, les Anglais. Ouais. Et ben, on voulait vous dire rendez-vous à Sifour les plages le 17 mars ouais. au Théâtre d'Odé pour notre spectacle. Spectacle qui s'appelle On ne peut plus rien rire. Alors pourquoi ce titre de spectacle, Quentin? Eh bien parce que c'est un spectacle d'humour sur le... Un spectacle d'humour sur le rire. Oui. Et donc c'est un spectacle où on explique un peu pourquoi on rit. D'où ça vient. Par exemple là, par exemple, quand un fourché, ça nous a fait rire parce qu'il y a un petit malaise. À voilà, ce c'est ça. C'est l'erreur et l'incongru qui nous fait rire. Mmh. D'ailleurs, c'est un spectacle sur le rire dans lequel on rit. La preuve, Quentin, peux-tu nous raconter une blague très drôle, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. C'est quoi un pépito le soir? Un pépitard. Ok, alors voilà. Est-ce que c'est une blague très drôle ou pas? On va essayer de comprendre. Ça te fait rire. On va essayer de comprendre ça durant le spectacle, comprendre pourquoi on rit. Alors, promis, il y aura plein d'autres blagues. L'idée, c'est de rire, de passer un bon moment tous ensemble à Sifour les plages. Rendez-vous au Théâtre d'Odé. 17 mars. 17 mars. Nous serons à Sifour-les-Plages au Théâtre d'Odé le 14 janvier pour La folle histoire du couple, une comédie conjugale à travers les âges. Alors le couple, on connaît hein, ses joies, ses peines, ses disputes. Ses... Ah, attends, excusez-moi, appel téléphonique. Allô? Oui, chérie? Oui, j'arrive. Je suis dans les embouteillages, là. Je suis là dans pas... Non, j'étais pas du tout avec... Non, c'est pas... Ah bah laisse-moi t'expliquer, sinon. N'écris pas, c'est pas... Ouais... Oui, justement, je fais ma vidéo là pour Sifour les plages là. Si, je t'avais dit, on va jouer le 14 janvier 2023 à Sifour les plages. Si, si, je t'en avais parlé, c'est avec La folle histoire du couple. Oui, non, mais je sais que tu t'en fous. Avec Caroline Ball. Mais non, mais jamais de la vie, Caroline, quand même. Mais non, arrête de... Ouais, bon, ok, on voit ça quand j'arrive, oui. Oui, je prends du pain, oui, oui. Allez, je t'embrasse, à toutes. Allô? Bon, elle a raccroché. Bon, donc on se voit le 14 janvier au Théâtre d'Odé à Sifour-les-Plages pour La folle histoire du couple. On vous y attend très nombreux. À bientôt. Vous êtes qui, vous? Comment on est qui? Regardez-moi. Là. Ah oui, Gilbert Montagnier. Johnny. Ah oui, d'accord, oui. Bah vous, c'est facile, on peut pas se tromper, hein. Les merguez, poil, Enrico Macias. Non, mais attendez, vous n'avez pas vu l'affiche à l'entrée du théâtre? Bah c'est Michel Sardou. Et moi, c'est Johnny Hallyday. On est des sosies de Strasbourg. Bon, si vous voulez en savoir plus, il faut aller au théâtre Alphonse Daudé le 9 et 10 décembre. Ça se passera à Sifour-les-Plages. À très bientôt. Salut à tous les amis, c'est Laurent VB. Je serai avec Jérôme Leleu et toute l'équipe de Fantasy Prod au théâtre Alphonse Daudé le 10 mars à 19h30 pour cette grande soirée. On va être très nombreux, ça va être de la folie. Donc, je compte sur vous les amis. On se rejoint là-bas, le 10 mars à 19h30 au théâtre Alphonse Daudé à Sifour-les-Plages. Salut les loulous. Jour, nuit, jour, nuit, jour. C'est amusant, non? Bonjour, je me présente, je suis le prince Léopold du comté de Lu. Oui, vous avez compris, le prince de Lu. Juste pour vous dire que nous serons au théâtre Daudé le 29 octobre avec Au Royaume de Merlin. Vous voyez comme c'est joli, voilà, avec Messire Blaise. Messire Blaise, vous êtes là? Non, c'est de l'autre côté, oui. Et comment allez-vous? À quelle date nous serions là-bas? Le 29 octobre, oui, pour Magie à la ferme et Au Royaume de Merlin. Voilà, donc j'espère vous y trouver fort nombreux, comme aujourd'hui où nous étions complets. En tous les cas, je vous dis à bientôt et un grand merci déjà de réserver vos places. À bientôt. Maillot, satiriste, humoriste, j'aurai le grand bonheur d'être chez vous les 11 et 12 mars 2023 dans votre magnifique ville de Saint-Flour dans le Cantal. Hein? Sifour? Hein? Ben oui, je connais, dans le 8-3, ben fallait le dire avant, Sifour. Désolé, hein, excusez-moi, on m'a dit n'importe quoi. Hein, ben bien sûr, la rade de Toulon, le grand Gaou, etc. etc. Bonjour à tous, amis de Sifour, de Toulon, de la Seine-sur-Mer. Juste un petit message pour vous dire que je serai avec mon spectacle Happy Hour le 25 mars 2023 au Théâtre d'Odé, voilà, à Sifour. Donc, je suis ravi. Et pour les plus impatients, le 3 février, ne manquez pas l'hilarante comédie Un dernier pour la route, écrite par le grand Daniel Camus. Bon, bon, et surtout le merveilleux Éric Brulé, évidemment, avec Nadia Zedam. On sera trois sur scène le 3 février. Voilà. Très hâte. À très vite. Des bisous.
À bientôt. Ben voilà, elle est bien. Ouais, elle est bien. Après, c'est juste le cadre ou je sais pas. Il y a peut-être cadre, un truc qui me... Il est parfait, le cadre. Il est parfait. Allez. Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard, c'est Jean-Claude Van Damme. Un petit message, Marc-Antoine Lebray sera en spectacle le 2 décembre à Six Fours. Wow, c'est génial Six Fours, j'adore cette ville, Bastia, Ajaccio, la Côte d'Azur, je connais très bien. J'aime la vie, 2 décembre. En fait, t'as pas de volonté. Quoi, j'ai pas de volonté? J'ai pas de volonté parce que j'arrive pas à arrêter de fumer? Mais tu sais à qui tu parles, hein? Tu parles à un type qui est capable de traverser Paris en courant à 3h du matin pour trouver un tabac d'ouvert, de remonter la Seine à la nage jusqu'à Rouen pour trouver des clopes et j'ai pas de volonté. Ah, tu veux que je te dise un truc? Tu sais pourquoi tu fumes pas, toi? Je vais te le dire. C'est que la première cigarette que t'as fumée, elle était tellement dégueulasse que t'as pas eu la volonté d'en fumer une deuxième. Alors que moi, je me suis accroché, ouais madame. Et preuve que la volonté a payé, c'est qu'aujourd'hui, j'en suis à 2 paquets. Hein. Et encore, j'y vais à la cool. Parce que si je veux, je peux monter jusqu'à 3, 4 ou 5 paquets. Alors, tu parles de volonté, ça? Salut, c'est Madame Meuf. Je vous donne rendez-vous le 9 décembre pour mon spectacle « Politiquement incorrect ». Il s'appelle comme ça parce que moi j'ai bossé pendant 15 ans dans la politique. Quelle bonne idée. Et en même temps, nos élus sont quand même assez distrayants, assez rigolos. Donc j'en ai tiré un seul en scène sur la vie politique vue de l'intérieur par une femme. Qu'est-ce qu'on fait vraiment dans ces métiers? Comment ça se passe dans les petits bureaux feutrés de nos élus? J'ai envie de dire que c'est de l'humour réaliste, voilà. Hein. Tout ce que je dis est vrai, même si je ne dis que des conneries. Ça, je le dis en fait au cas où ce soir-là, il y a des élus dans la salle. Madame Meuf, c'est aussi un podcast, donc vous pouvez écouter pour vous faire une petite idée. Avant, dans le podcast, je parlais un petit peu de politique, de société. Maintenant, je parle plus que de cul. Il n'y a que ça qui marche. Donc, c'est pas totalement les mêmes sujets, quoique, mais c'est le même ton. Donc, je vous dis rendez-vous le 9 décembre. Merci à vous. Salut. Et bonjour, c'est Mémé. Je suis très, très fière de vous annoncer que je vais jouer le 1er avril 2023, déjà, au théâtre Daudé, à Six-Fours-les-Plages. C'est pas un poisson, hein? Et je vais venir jouer deux spectacles. On n'achève pas les vieux, et on est tous le vieux d'un autre, deux spectacles. Voilà. Alors, je suis très contente, et qu'est-ce que je vais te dire? Viens chercher bonheur avec Mémé. Salut les amis, voilà c'est Maïel et je vous donne rendez-vous les 5 et 6 mai 2023 à 21h au théâtre Daudé à Six-Fours-les-Plages. J'espère qu'on va se voir là-bas, qu'on va kiffer, qu'on va rigoler, qu'on va danser et surtout me voir en vrai. Gros bisous à tous. Six-Fours, deux sites Emilia chez vous. Mike Riquet, le 17 décembre. Théâtre Daudé. Évidemment, on viendrait vous souhaiter tout le bonheur du monde. Oui, tranquillement. Et puis, on viendra vous présenter Souvenir de Saltimbanque. Un spectacle, pas un concert, un spectacle avec bien sûr de la musique, mais aussi beaucoup de rire, beaucoup d'aventures à vous raconter de 30 ans de Cincé. Ce sera la première fois dans le Sud, à Six-Fours, le 17 décembre. Bienvenue. Personne ne peut sortir quoi parce que personne ne t'aime, parce que tu es moche et que tu n'as plus de cheval. Cette saison, le Théâtre Daudé accueille la RADIT, Ligue d'improvisation théâtrale de la région toulonnaise, pour une série de 5 matchs d'impro. On te promet du rire, de la passion, du frisson. Un match d'impro, c'est un peu comme du sport théâtral ou du théâtre sportif. 5 improvisateurs de la RADIT affrontent, dans la mise en scène, 5 joueurs d'une autre ligue. Et ils viennent de toute la France pour se mesurer à nous. Perpignan, Nîmes, Nancy, Paris. Les joueurs improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Elle aura pour thème « Il était une fois Marie ». Pour les départager, c'est toi, public, qui vote à chaque impro pour l'équipe la plus convaincante. Alors sors ton smartphone, ton carnet ou note les dates sur ta main. Les matchs auront lieu ici, au Théâtre Daudé, les 12 novembre, 3 décembre, 20 janvier, 18 mars et 13 mai.
on compte sur toi, ta bonne humeur et ton impartialité.